Il a la joie de conduire, il y a 5 ans, Malobati, moi la Congo, Mioso, Azalamoua la Mobola, Azalamoua la Mozumi, le Seigneur va nous mettre en. Cette vidéo plongera dans le paysage complexe des élections en République démocratique du Congo, RDC, et la campagne dynamique qui se déroule dans sa sphère politique. Le processus électoral en RDC est marqué par une mosaïque de récits divers, de stratégies politiques et des aspirations de son peuple. De l'énergie palpitante, des rassemblements de campagne aux discussions nuancées sur les politiques façonnant le discours électoral, nous naviguerons à travers les couches multifacettes qui définissent ce moment crucial dans la trajectoire politique du pays. Rejoignez-nous alors que nous explorons les candidats, les problématiques et les dynamiques sous-jacentes qui façonnent le paysage démocratique en RDC, offrant une vue d'ensemble de la campagne électorale en cours et de SS implications pour l'avenir du pays. De manière compréhensible, les individus congolais peuvent chercher à s'engager avec Moïse Katumbi, mais ils doivent être conscients des dynamiques géopolitiques plus larges entourant Katumbi. Il est à noter que Katumbi bénéficie du soutien à la fois de Kagame et des entités occidentales. Par conséquent, il devient impératif d'aborder ces perspectives avec un regard critique. La réticence de Katumbi à critiquer ouvertement Kagame ou à reconnaître l'implication des forces de défense rwandaises, RDF, dans le conflit, attribuant cela uniquement au M23, soulève des questions sur la nature de ses alliances et l'influence potentielle qui façonne son récit. Alors que les citoyens s'engagent avec des personnalités politiques telles que Katumbi, il est essentiel de prendre en compte les nuances de leurs affiliations et d'évaluer dans quelle mesure les intérêts externes peuvent influencer leurs déclarations. Assister à la campagne dynamique et captivante du président Tshisekedi alors qu'il interagit avec la communauté à Lissala et au-delà. 6 vidéos offrent un aperçu unique du style de leadership de Tshisekedi, de sa vision et de la connexion qu'il établit avec le peuple. De Lissala à différentes régions, CS vidéos de campagne présentent les efforts du président pour se connecter avec les citoyens, aborder leurs préoccupations et partager ses projets pour l'avenir du pays. Plongé au cœur de la campagne de Tshisekedi, alors qu'il navigue à travers les paysages divers de l'opinion publique, offrant une vue d'ensemble de ses stratégies politiques et de la résonance de son message parmi l'électorat. De l'enseignement. Nous avons besoin de conduire, il y a 5 ans, Malobati, moi la Congo, Mioso, Azalamoua la Mobola, Azalamoua la Mozumi, les Seigneurs, nous avons besoin de battre à la chance au Bémoko. Nos amis, pour la Mopé, Mopé, et Moko, Takarami, nous avons la demande des coiffeurs. Ma maman, 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 ma maman,
Nanga Fati Metoni organise chop, à ton yeli biso logan, à ton yeli biso balabala, après si biso transco, Fati Meto Umela Beto Umela na chope. Le cadre macroéconomique. Troisièmement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense, ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'Académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous, ma conviction demeure qu'un nouveau Congo est réellement possible et je ne ménagerai aucun effort pour capitaliser sur les résultats déjà obtenus et les leçons apprises pour que cette vision de grandeur, tournée vers un futur meilleur, produise les résultats escomptés. Puisque nous avons déjà pris le train du progrès, ne prenons pas le risque le 20 décembre d'aller vers l'inconnu. Poursuivons sur cette lancée pour un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Primaire, nous avons ouvert les portes de l'éducation à tous nos enfants. C'est maintenant le moment de renforcer la qualité de l'instruction et les conditions de l'enseignement pour former des générations prêtes à mieux assurer la relève. Nous avons entamé la réforme de notre armée et de notre police. Nous nous battons pour renforcer la sécurité dans tous les domaines. Puisqu'avec vous, nous avons pris le train du progrès, continuons sur cette lancée.
Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec vous, soyons plus unis, plus forts et plus prospères. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Boya, peuple ya Badolite, épaisse à Dinombote. Bande Kondiala. Président, à comprendre que tout qu'on a su d'ailleurs,